je commence officiellement mon vlog du Salon du Livre de Paris. Donc c'est Livre Paris, ça se passe ce week-end. Là on est vendredi, hier il y avait l'inauguration mais je ne vous ai pas filmé ça parce que il y a beaucoup de monde, ça c'est pas très intéressant. Aujourd'hui on est vendredi et j'ai un atelier. Et demain je passe la journée à me promener, j'ai pas de programme précis. Donc voilà, je vais vous filmer des images du salon et ce sera tout. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc ils faisaient ma taille, donc c'était, enfin, ils étaient plus grands que moi, mais oui, c'était hyper gênant sur le coup. C'est marrant parce que moi j'arrivais derrière, j'essaie de trouver Audrey et en fait tu la trouves pas, tu sais pas qui c'est qui anime quand tu la connais pas et c'est hyper drôle. Mais c'était intimidant, mais finalement ça s'est bien passé, donc je suis contente. Voilà, je vais rentrer parce que je suis fatiguée et demain ce sera une nouvelle journée de salon. Voilà. Je raderai. C'est Marine qui filme, regardez. Oh, oui, j'ai Marine. Enlève tes mains, c'est ma copine d'Alban Michel. Je filme Jeanne qui filme le stand. C'est ça qui est drôle. Il y a même un samedi, donc deuxième jour de salon, on va dire, troisième un petit peu. Là, j'ai un petit déj chez La Durée, donc du coup, je vous emmène avec moi pour la sortie d'un livre. J'ai trop hâte de vous montrer. Et juste après, je vais au salon. Et là, je vous filmerai un peu les allées du salon. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de programme, donc tranquille. Finalement, les codes sont pas loin, finalement, c'est toujours. Et aujourd'hui, même, ça continuerait à trouver des similitudes. Par rapport à certaines conventions et certaines réactions, aussi tout simplement, faut-il avouer, faut-il partir, faut-il cacher à côté, faut-il montrer ses sentiments, enfin des choses finalement qui sont effectivement intemporelles. Et ça nous a beaucoup plu, on a vraiment eu envie de raconter toute cette découverte de l'amour. Que l'autre peut le permettre, dans le livre, il y a plusieurs petites histoires qu'on raconte au fur et à mesure. Il y a déjà l'histoire de Diane de Poitiers. Regardez qui j'ai retrouvé. Coucou. C'est Widad et Megan. Et on était à un petit déjeuner pour la parution de La Princesse de Clèves en BD. Voilà. Petit placement de produit. Non, je rigole, c'est une blague. Il n'y a pas du tout de placement de produit. Et du coup, c'était chouette. On a bien mangé. Et là, on va au salon. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'avec les manifestations, il y a tout qui est fermé. Donc voilà, on va faire une petite trotte. 3 km. Ouais. Non, c'est 1 km. Vas-y, tu peux recommencer. Allez. 1 km à pied. Merci. Salut. On vient de manger, c'était cool. Et là, on va aller assister à la conférence avec Morgane Hortin et tout. Je suis trop hâte de vous montrer. L'escape game, j'ai trop hâte de le faire, ça va être trop cool. Elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes. L'escape game, c'était trop bien. On a géré, on était avec Megan, Juliette et Olivia et on a géré, mais on n'est pas sorti. Super, parce qu'on aurait dû écouter Juliette qui avait le bon chiffre et nous on a cru qu'un 6 était un 9. Non, on a cru qu'un 9 était un 6. Tout à fait. Voilà, du coup, à cause de ça, on n'est pas sorti, mais sinon, c'était trop bien. Franchement, hyper bien de faire un escape game à Livre Paris, donc voilà. En plus, on a été filmés. Ah oui, putain. Ah oui, Florent. Pour la Florent, si tu passes par là, on va nous mettre des plans cool. Voilà, on est dimanche et le salon, c'était hier. C'est terminé à moitié parce que j'y retourne demain en vrai, mais je vais pas vous faire d'image demain parce que j'y vais pour le travail.
donc ça sert pas à grand chose. Je vais refaire un atelier boutique comme l'autre, mais de toute façon je peux pas filmer les élèves, les enfants, donc ça ne sert à rien. Du coup je préfère pas filmer plus que ça, parce que de toute façon je ne vais rien vous apporter de plus à ce vlog. Je voulais juste conclure ce vlog pour voilà dire que j'avais passé une super journée, qu'il y a le stand Lumen qui est juste magnifique, que le matin j'ai mangé à la durée et que c'était vraiment génial, que c'était très bon, et qu'on est parti juste avant qu'il y ait les gilets jaunes qui détruisent la durée, donc voilà, j'avais oublié, mais c'est vrai que c'était pas le bon jour en fait. Ensuite je suis allée au salon, c'était très chouette, j'ai fait des conférences, j'ai acheté deux mangas, du coup voilà, je vais me remettre au manga parce que ça permettait, en fait il fallait acheter 3 mangas sur le stand Kana pour pouvoir accéder à un escape game, et donc comme ça après on a pu faire l'escape game avec mes copines l'après-midi, donc c'était trop bien, franchement j'ai adoré. Et en plus on est, je vais vous montrer, on est dans un petit morceau de la vidéo du salon, c'est trop drôle. On est là, regardez, c'est nous. Voilà, c'est tout, c'était mon pantalon et mon... c'était moi en premier plan. Ça m'a fait rire de voir ça parce que du coup, on nous avait dit qu'on allait nous filmer pendant... On a été filmé pendant tout un escape game quand même, hein. Autant vous dire qu'on était très gênés. On s'est dit, oh là là, j'espère que les gens ne vont pas entendre ce qu'on dit parce que c'est horrible. Et je suis repartie donc avec 2 mangas et la princesse de Clèves. Donc voilà, je vous en parlerai dans une future vidéo. J'espère que ce petit vlog vous a plu. Moi, je suis très contente de ne pas avoir organisé 20 000 trucs cette année. Mais j'étais quand même très fatiguée, mais au moins je n'ai pas organisé 20 000 trucs, donc ça m'a permis d'être un peu tranquille, de pas me prendre la tête. Et là, en plus, on est dimanche et je me repose, et ça, ça n'a pas de prix. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et j'espère que celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Bisous!